Bienvenida a clase inglés. Hoy te remite a que no hay not a que no hay tu preu, porque no hay escriba gay no vos a yo. Bienvenida a clase inglés. Muy espero que te practique preposición yo. Parfois, mon pradi que American pose trop question. Mais bon communication, ça vraiment, vraiment important. C'est comme ça, pour classe la journée, c'est pour nous apprendre 5 mots clés ou qu'à utiliser les ou les poser une question. Nous gain, who, what, when, where, and why. Pour dire qui est, ou soit qui moun, nous dit who. Pour dire qui ça, nous dit what. Pour dire qui l'est, nous dit when. Pour dire qui beau, ou soit qui côté, nous dit where. Pour dire pour qui ça, nous dit why. Pour prononcer mot correctement, c'est pour nous garder son wa. Pour faire son, mélanger son wa avec son ha, et mettre yo ensemble. Imaginez que vous avez soufflé un baleine. Est-ce que tout le monde est prêt pour souffler le baleine? Yo? Kounia, fais attention à sa bouche où vous fait le souffler. Ces mêmes gens sont capables de prononcer bien. À nous essayer de dire ça. Yo. Moi, je parle de lui et puis répéter après. Who? What? When? Where? Why? Bon, kounia, essaye di yo pa tèt ou. Ok, nan exercice ça, ou ap tan de phrases nan creole, après ça, nan anglais. Après ça, ou besoin de phrases anglais. Est-ce que vous prêt? Commencez. À qui le coup ap commencer? When does class start? When does class start? Qui est ce qui est bon ami? Who is my best friend? Who is my best friend? Pour qui ça moi manger en pile de riz? Why do I eat so much rice? Why do I eat so much rice? Qui joli relé? Hey, what is her name? What is her name? Hey, côté Patrick. Hey, where's Patrick? Hey, where's Patrick? He's above the tree. Oh. I'm way. You are behind the tree. You're above the tree. No.